de lecture. Dans ma classe, il est situé juste à côté de la bibliothèque que j'ai déjà présentée, sous le menu des clics, parce que ça va ensemble. C'est à nouveau une petite table, on y trouve un banc sur lequel on peut venir à deux ou seul. Dessous, il y a une partie de la bibliothèque et il y a également dessous des fiches de lecture à compléter. On trouve le rallye lecture Histoire vraie. Je mettrai le lien vers le blog. J'ai mis là pour mes CM2 ce qui se rapporte à leur thème abordé en histoire, c'est-à-dire 19e, 20e. Mais il y a des histoires vraies et des questionnaires sur le blog depuis l'Antiquité et la Préhistoire. On trouve également les Toubalou pour le travail de lecture oralisée. Ça sert aussi pour réciter ses poésies, etc. On peut aller dans l'atelier à côté, dans le hall, le couloir, mais on peut rester en classe parce qu'il suffit de chuchoter. Je mettrai des liens vers les collègues qui proposent de fabriquer soi-même ces Toubalou. C'est pas si compliqué, mais moi j'ai investi cette année. Et on trouve enfin le coin lecture de chez MDI qui m'a été proposé pour test cette année et dont je suis ravie. Je ferai un article sur le sujet bientôt. C'est pas parce qu'on me l'a offert, c'est que vraiment les élèves l'ont pris en main, l'apprécient et y reviennent. Donc on y trouve des petits questionnaires sur des textes, mais de différents types. À compléter sur le cahier de lecture et en autocorrection. Voilà. On fait avec ça des petits pourcentages et ils sont habitués avec le scoromatique de la méthode Cléo en français. Et on voit ensuite. On trouve enfin dans le centre de lecture, et ça a été déplacé, je le remets, la boîte pour recommander des livres. Les élèves ont appris à recommander des livres en atelier des clics. On trouve une boîte avec des petits onglets. Par thème, auteur, genre littéraire, on remplit une petite fiche qui explique pourquoi on recommande ce livre. Un élève qui ne sait pas quoi lire peut toujours venir voir ce que lui proposent ses camarades ici. C'est un vrai petit exercice pour parler lecture, pour trouver l'auteur par exemple, ou le titre, et puis pour dire quelque chose d'un livre. Voilà, au fur et à mesure de l'année, je rajoute des choses et des petits affichages. Mais voilà, c'était le centre de lecture.